Molenbeek en pleine effervescence. Explosion de joie parmi les joueurs et les supporters. Exceptionnel. On avait dit depuis le début qu'on allait le faire. Il n'y en a qu'on pas cru en nous. Tout le monde voulait qu'on réussisse pas. Et c'est là Toutes les conditions étaient réunies pour passer une belle après-midi de football au stade Edmond Mactens. Soleil, camaraderie et folklore. À l'approche du coup de sifflet final, petit coup de nostalgie chez certains supporters de longue date. Le public de Bruxelles existe encore. Et qui a des fans du football, du bon football, et qui aiment revenir ici et créer l'ambiance. L'ambiance des années 50, 70, oui. Et alors quand on a été champion en 75, maintenant champion, mais un peu plus bas bien sûr. On était champion, Manneke, tu sais ça? On arrive, Anderlecht, deux ans, et on était là. Si la joie est intense, c'est que le chemin parcouru par l'équipe cette saison était sinueux et parsemé d'embûches. Plusieurs fois, le titre aurait pu leur échapper, c'était sans compter sur une détermination sans fin. Si depuis 74 jusqu'à maintenant j'ai raté 14 matchs, c'est beaucoup. Je préfère que ma femme tire la gueule que les royaumes pères. Si on fait des choses comme il faut, tôt ou tard, il y aura une satisfaction et une récompense. Comme je disais à mes joueurs, c'est pas important combien de fois on tombe, important c'est combien de fois on se lève. Et c'est ça qu'il faut retenir. Ce titre est l'accomplissement d'un rêve qui devient réalité. Ici, tout le monde n'a qu'un nom à la bouche, Thierry Dailly. Deux ans et demi après avoir relancé la machine RWDM, le manager est récompensé de son abnégation. Quand on a lancé le projet, on n'avait rien, même pas un ballon, même pas une chasuble. On n'avait rien, même pas un sponsor. Et aujourd'hui, quand on voit ça, c'est énormément de boulot. Et c'est que beau. Mais ben, c'est pas fini. Maintenant, on va en profiter. Mais à partir de mercredi, c'est reparti. Et je veux une top équipe pour l'année prochaine. 27 ans après son dernier titre, le RWDM revit. Supporters, joueurs et managers rêvent déjà d'atteindre d'autres sommets l'an prochain.